Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mon petit Bilbao. Ça fait quelques jours que j'ai repris le travail avec lui. Je l'ai montré un peu en story Instagram et je voulais vous faire un peu une petite vidéo pour vous parler un peu de comment se passe le travail avec mon loulou, de ce qui ne va pas et pourquoi j'ai fait beaucoup d'arrêts avec lui et que je reprends à chaque fois le travail. Il faut savoir que Bilbao est un poney très compliqué à travailler et que encore aujourd'hui je n'ai pas trouvé la méthode de travail qui lui correspondait le mieux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup arrêté le travail avec lui et qu'à chaque fois je reprends en essayant de nouvelles méthodes que je ne vous montrerai pas en caméra parce que je sais que quand je filme, j'essaye de vraiment prendre des plans mais je ne prends pas assez le temps de bien travailler Bilbao, de me concentrer sur son travail et du coup je préférais ne pas faire de vidéo, de ne pas lui mettre une caméra devant lui pour qu'il reste concentré. Et du coup ça fait quelques jours que j'ai de nouveau repris le travail avec lui, mais cette fois-ci avec une nouvelle méthode. Ça faisait un petit moment que je voulais commencer cette méthode, mais voilà, j'avais pas pris le temps de réellement mettre tout ça en place. Il s'agit tout simplement de la méthode avec le clicker. Donc je tenais justement à vous parler de cette méthode parce que oui, je sais, il y a plusieurs youtubeuses qui ont commencé le travail avec leur cheval avec cette méthode et je ne voulais pas qu'on pense que je voulais faire comme les autres. Il faut savoir que Bilbao est un poney très compliqué à travailler. Il est souvent dans le manque de confiance avec l'humain, malgré qu'il me connaît, que ça va bientôt faire 6 ans qu'il est avec moi. Il garde quand même une certaine crainte de l'homme. Et du coup, je suis sans cesse obligée de devoir lui redonner confiance, de faire du travail pour le rassurer. Et voilà, malgré les méthodes que j'utilisais, je ne trouvais jamais la bonne. Et ça fait quelques jours que j'utilise le clicker. Il faut savoir que ce petit objet, ça fait bientôt un an que je l'ai dans mon tiroir, sauf que je ne l'avais jamais utilisé. Mais cette fois-ci, je l'utilise. Et j'ai remarqué que Bilbao était vraiment beaucoup plus connecté avec moi lors du début du travail. Donc le premier travail qu'on est en train de faire actuellement, c'est la friandise, qui veut dire qu'il n'a pas à me mendier ou à me demander une friandise. Il aura une friandise seulement quand moi je l'aurai décidé. Et vous pouvez voir sur quelques petits plans que Bilbao se débrouille plutôt pas mal. Encore une fois, Bilbao est très lent sur le travail, il faut vraiment prendre son temps. Et malgré qu'il a compris au fur et à mesure, je serai sans cesse obligée de lui répéter les exercices afin qu'il ne les oublie pas. Mais voilà, c'est une nouvelle méthode que j'ai envie d'utiliser et non, je ne recopie pas les autres youtubeuses, c'est juste que voilà, j'ai vu leurs vidéos sur le clicker, cette méthode m'a plutôt interpellée. Certes, c'est beau, c'est un travail avec des friandises, mais voilà, on n'utilise pas ça avec tous les chevaux. Je sais que Bilbao a besoin, est très gourmand et très captivé par la nourriture. Du coup, le travail au début avec la nourriture, je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant que je trouve. Après, au fur et à mesure, on enlèvera ce clicker une fois que le travail de base est vraiment bien établi. Parce qu'encore une fois, les bases avec lui sont parties. Je suis obligée de tout recommencer. Et au fur et à mesure, j'enlèverai bien sûr le clicker et aussi les friandises. Et là, on commencera à travailler avec les récompenses, avec la voix et les récompenses avec les caresses. Mais voilà, le travail avec Bilbao va reprendre, qui veut dire que je vais essayer de vous filmer mes petites séances avec Bilbao, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, les séances durent même pas 10 minutes, parce que vu que c'est avec des friandises et que je veux vraiment que Bilbao apprenne tranquillement, mais en étant sûr qu'il va le retenir ce que je lui apprends, c'est pour ça que les vidéos ne dureront sûrement pas longtemps. C'est peut-être pour ça que je pense que je ferai une vidéo à travail, mais avec autre chose à côté, afin que vous puissiez avoir un peu de contenu. Mais voilà, là j'ai vraiment envie de me mettre en route avec lui. Ça fait, il va sur ses 7 ans et mon loulou n'a pas fait grand chose de sa vie pour l'instant et je me dis que c'est le moment de vraiment prendre les choses
en main et vraiment le travailler. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous annoncer la reprise du travail avec mon loulou. Je sais que vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur le travail à pied avec mes loulous. Du coup, chose demandée, chose qui va être fait. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.